Donc bonjour, donc, on se retrouve là pour un petit unboxing puis présentation de la boîte du set Walt Disney World, donc 40478, donc modèle un petit peu plus petit que justement le Disney World Castle. Donc là par contre on se retrouve sur un set à 360, donc il n'est pas coupé derrière, il est complet. Par contre il n'y a pas de scène de jouabilité, c'est juste un set exposé. Et on a la minifigue de Mickey qui est exclusive à ce set. Donc voilà, donc nous sera exposé justement avec le grand modèle. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu près le contenu du set. Comme d'habitude. Hop là. Voilà, c'est un petit set, hein, il n'y a pas énormément de. Voilà, le contenu de la boîte n'est pas énorme. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 4 et un double. Pro 6, ça nous fait juste 6 à ce au total. Donc, par contre, le manuel est assez épais. Voilà, avec un petit peu c'est cool. Un petit peu d'historique. Donc ouais, on a juste un aparté dans toutes les langues, donc donc le château de Cendrillon, de Cendrillon sur Disney World. Donc voilà, petit set. Donc par contre, si vous regardez, pas compatible avec les Disney, avec les Go Life. Il n'y a pas de QR code. Donc celui-là, pas de QR code, petit historique et un petit peu de montage. Donc jouabilité quasiment aucune, contrairement au grand modèle où on a plusieurs scènes où on peut recréer. Donc voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment juste un set d'expo. Avec juste Mickey en figurine, il me semble qu'il y en avait 4 ou 5, oui c'est ça, il y en avait 4 dans le grand modèle. Il y avait la fée, Donald et Daisy et Mickey et Minnie. Et il y a pas mal de scènes, on se retrouve sur. Dans l'autre, il y avait Aladdin, Rebelle, La Belle au Bois Dormant, Cendrillon, il y a plein. Oui, La Belle au Bois Dormant, Cendrillon, Rebelle. Quelques références au classique Disney aussi. Mais, ah oui, j'ai oublié. Bon. Donc, il y a pas mal de petites. Que dans celui-là, on n'aura pas. C'est juste un set d'expo sympa. Donc, je pense qu'on le mettra juste à côté du gros en exposition. Mais ça nous fait un set quand même assez joli une fois fini monté. Donc comme d'habitude, on se retrouve une fois le montage fini pour faire la petite review du set. Je pense que ce sera une petite vidéo courte. Donc sur ce, à bientôt, à tout à l'heure.